Moi, je suis tout le temps à la radio, à parler, etc. Mais derrière moi, il y a une fameuse équipe qui vraiment nous permet d'atterrir tout ce que nous voulons atterrir. La salle est comblée ce soir. Mon annonce que vous devez retenir ce soir, c'est nous sommes en train de réaliser le plus grand événement réunissant le plus de développeurs dans une seule salle. Facebook, je vous dis, a plus qu'un social media. Facebook, je vous dis, a regardé possibilité entrepreneuriat autour de social media ça. Facebook, par contre, si vous avez regardé le discours Mark Zuckerberg dans la dernière cérémonie annuelle Facebook là, quand il dit que Facebook now is all about creating communities, c'est création de communautés. Mais une communauté qui est extrêmement importante pour Facebook, c'est justement le monde que nous oublions très souvent, important, qui c'est développeur, qui finalement, c'est eux-mêmes qui sont à la base décollage technologique ça. Qui prend l'ordinateur, moi j'ai fini de camper, applaudis s'il vous plaît, j'ai fini de camper. Parce que nous unis. Et Facebook Developer Cycle là, c'est une opportunité pour nous créer une communauté côté que nous voulons mettre ensemble pour faire trois bagages qui sont derrière justement volonté Facebook là et qui connecté avec volonté Bunge, qui c'est créer communauté, éduquer, mais surtout par entrepreneur ça yo ou codeur ça yo accès à opportunité. So gen pile ba nou ka fè. So là on dit que ça pas là pas possible. Look at who's in the room that made it happen the first year and that was just one year. Imagine what's going to happen over the next 13 years when we continue the Haiti Tech Summit until 2030. So a round of applause. Thank you so much for everyone who made that happen. Christine and all the wonderful folks who put that on, I think that was an incredible event that I think awoken a lot of the entrepreneurial spirit and energy within the ecosystem, and so excited to be here. C'est Emmanuel Fleury. Moi, c'est même avec un pilote monde, un membre de Facebook Developer Cycle Port-au-Prince. Donc, participer aujourd'hui à un événement, ça, c'était une grande opportunité pour moi, pour premièrement rencontrer avec d'autres développeurs, commencer à partager l'expérience et puis garder qui perspective qui a existé pour nous collaborer ensemble. Je pense qu'un événement comme ça, c'est vraiment un élément qui est clé. Nous créons un écosystème, je n'ai pas parlé, nous créons un écosystème de start-up en Haïti. Parce que si nous parlons de start-up, nous avons vraiment des gens qui ont fait l'aspect technique, nous avons vraiment des gens qui ont fait le travail de programmation, soit dans le back-end, soit dans le front-end. Donc, aujourd'hui, je rencontre ça, c'était vraiment permettre que tout le monde soit regroupé ensemble, qu'on réunit, parler avec nous. C'est Daniela Bien-Aimé, moi c'est un jeune entrepreneur. Donc, et en même temps, moi c'est un ancien étudiant de l'UNICA. Donc j'ai des activités ça haut. Donc moi toujours aimé participer dans eux parce que moi rencontrer l'autre jeune entrepreneur pareil moi. Donc moi échanger des idées. Donc quand qui est capable d'aider moi en plus connaissance de qui gens pour capable aller de l'avant, qui j'aime capable en mettre des systèmes d'entreprise PAM. Donc moi toujours encourager un jeune pour participer. Donc c'est tout à fait c'est networking. Donc faut être avec l'autre jeune qui a l'autre idée. Donc rester connecté avec eux parce que c'est vraiment intéressant leurs jeunes, leurs grandes idées ou besoin d'avancer.
Donc, et puis pour essayer de rester connecté avec l'autre monde qui vient déjà de l'idée ça. Facebook développeur Saïkon, c'est une très belle initiative. Et je félicite Makane Boussiko pour permettre que les représentants de Facebook viennent en Haïti, pour pouvoir essayer de mettre les développeurs, les codeurs dans une communauté, pour pouvoir partager de gains, les bons programmes, que vous pouvez commencer et puis vous avez des idées et puis vous résoudre en moins de coûts. Et c'est une très belle initiative, ça m'a été félicité. Et les gens qui sont entrepreneurs, tout côté que sont capables d'investir à travers Facebook Developer Cycle. I think the bottom line is that it truly is a community program. The strength of the circle, the strength of the outcomes, the projects that are created, it's not going to be driven by Facebook, it'll be supported by Facebook. And we're not going anywhere, our support's not going anywhere, but all of the ideas, all of the challenges that we want to solve, all of the learning is going to start right here in Port-au-Prince, through partnerships with you guys at Bange, with other partners that we'll bring to the table, with education providers, with all of those things. But it's going to be your ideas that that begin this process. And so I want to hopefully make sure and kind of call to action all of the folks that were here tonight, all of the folks that are out there in your communities that want to get involved. Like, let's figure out how to build something great. Okay, that's it. Cool. Thank you very much, Matt.